Comment se débarrasser d'une personne toxique dans son lieu de travail? C'est grave. Parfois, tu pars travailler dans un endroit. Tu trouves une personne là-bas qui est toujours en train de te mettre les bâtons sur les roues. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es dépassé comme ça là. Cette astuce, ça va te sauver. La personne va quitter derrière toi. Voilà. Toi-même, tu es comme ça, la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu dis que hey, le matin, là, va arriver. Je vais encore aller au travail pour voir la femme là qui me déteste, pour voir le gars là qui me déteste. Cette astuce, ça va t'aider. Tu vas rentrer, chercher un bout de papier tout blanc comme ça, là. Tu écris le nom de la personne. Son nom et prénom. Il faut avoir son nom. Et quand tu écris son nom et prénom, il faut préciser, toi, ma collègue, qui travaille avec moi dans telle entreprise. C'est très important pour guider le rituel vers la personne. Tu mets tout ce que tu attends que la personne sorte de ta vie. Que la personne arrête de mettre les bâtons sur terre. Donc vous voyez, tu écris tout. Que tu l'anéantis. Tu parles tout. Quand tu finis, tu vas prendre ce bout de papier. Prends ce bout de papier. Tu vas mettre dans la marmite. Tu prépares toute cette haine. Prépare toute la haine là. Quand tu prépares toute cette haine, avec un litre d'eau comme ça là. Après, tu vas retirer le papier ici. Pendant que ça boue, il faut faire tous tes vœux. Tu retires ce papier, tu vas laisser ça au soleil. Ça va sécher. Quand ça sèche bien, c'est bien sec, tu vas prendre le même papier là. Tu prends ta paire de chaussures. Ici là en bas, tu vas retirer la languette. Je n'ai pas dit là où tu déposes tes pieds. Tu retires la languette qui est à l'intérieur ici. Tu prends le bout de papier. Tu envoies en bas de la languette. Le papier que tu as préparé, que ça a séché, tu as mis au soleil. Même si c'est déjà écrasé, parce que tu es en train d'écraser ton ennemi comme ça là. Prends ce qui est écrasé là. Tu mets en bas de ta paire de chaussures que tu peux travailler avec. Et je veux que tu portes cette chaussure-là pendant 7 jours. Après le 7e jour, tu vas retirer tous les déchets de papier que tu as en train d'écraser ton ennemi toxique au travail-là. Tu mets dans cette bouteille-ci. Quand tu mets, tu appelles son nom 7 fois. Toi, tel, tel. Toi qui travailles moi dans mon travail, qui me met les bâtons sur le dos, qui me déteste. Je t'anéantis, je t'écrase, je te domine corps et âme. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui marches à mon rythme. Tu ne dois pas le laisser. Et après, tu pars enterrer.